Alors, le principe de dégivrage par gaz chaud consiste à utiliser les gaz surchauffés par le travail de compression pour les injecter directement dans l'évaporateur afin de le dégivrer ou ici afin de décoller les glaçons pour qu'ils tombent dans le bac de stockage. Alors, le circuit normal, ici c'est une machine à glaçons, c'est on part du compresseur, les gaz surchauffés rentre dans le condenseur, se transforme petit à petit en liquide. Le liquide, lui, va directement au détendeur. Le détendeur, par abaissement brusque de la pression, va permettre la transformation de liquide en gaz. L'eau qui est continuellement injectée sur l'évaporateur va permettre la formation des glaçons. Ensuite, ben, le gaz retourne normalement au compresseur. Ça, c'est le fonctionnement normal. Par contre, quand on veut dégivrer un évaporateur ou alors éventuellement ici décoller les glaçons, eh bien, il faut alimenter cette électrovanne hein, qui est raccordée directement juste avant le détendeur, enfin juste après le détendeur plutôt. Donc, alimentant cette électrovanne, une fois alimentés, les gaz chauds vont directement dans l'évaporateur. Ils ne peuvent pas retourner dans ce sens-là, étant donné qu'ici on a un clapet anti-retour. Les gaz vont réchauffer ici l'évaporateur, les glaçons vont tomber dans le bac de stockage. Étant donné que l'évaporateur se transforme en condenseur, eh bien le liquide, lui, va retourner au compresseur. Mais pour éviter qu'on détériore le compresseur par un coup de liquide, eh bien ici on a une bouteille anti-coup de liquide qui est munie d'une résistance afin d'évaporer ce liquide pour protéger le compresseur. Ça, c'est un fonctionnement simple. On va voir un fonctionnement un petit peu plus compliqué maintenant. Alors voilà une installation avec dégivrage par gaz chaud un petit peu plus complexe parce qu'elle est, comment dirais-je, composée de quatre électrovannes, ici, ici, ici et ici, et de deux clapets anti-retour, un ici et un ici, et d'un détendeur qui permet la réévaporation. Nous allons voir ça donc maintenant. Le circuit frigorifique normal, c'est-à-dire en production de froid, les deux électrovannes ici sont alimentées, donc le circuit se fait ici comme ça, on passe à travers l'évaporateur, on fait du froid, et on retourne au compresseur. Ici, les gaz ne peuvent pas revenir en arrière, puisqu'ici, on a un clapet anti-retour. Maintenant, on veut dégivrer l'évaporateur. Donc, on éteint, enfin, on désalimente ces deux électrovannes, on alimente ces deux électrovannes, ici et ici. Donc, les gaz chauds vont directement à l'évaporateur. Les gaz ne peuvent pas retourner en arrière ici, puisque cette électrovanne est coupée. Donc, passe à travers l'évaporateur, dégivre entièrement l'évaporateur. Ce gaz se transforme nécessairement en liquide. Le liquide arrive à cette électrovanne qui permet l'accès à ce détendeur qui, là, lui, va réévaporer le liquide afin que celui-ci retourne au compresseur sans danger pour le compresseur. Notons qu'il y a une bouteille anti-coup de liquide qui va permettre de réévaporer les dernières gouttes de liquide. Alors, voyons là maintenant concrètement comment ça fonctionne. Ici, on a bien notre organe de détente. Ici, c'est un capillaire. Ici, nous avons notre piquage de gaz chaud. La petite subtilité ici, c'est que la tuyauterie de piquage de gaz chaud parcourt tout le bac. Comme on a pu voir en tout début de vidéo, il faut pour que cela fonctionne une électrovanne qui injectera les gaz chauds. Donc, voici cette électrovanne. Comme l'évaporateur est givré, on va pouvoir procéder à un dégivrage. Là, on vient d'entendre que la vanne électromagnétique vient de s'ouvrir, permettant l'injection des gaz chauds directement dans l'évaporateur. L'évaporateur commence à se dégivrer. D'ailleurs, on commence à voir les crosses qui se dégivrent tout doucement.
Là, c'est déjà plus flagrant. Là, sur l'évaporateur aussi, on s'aperçoit que le dégivrage commence à être efficace. Voilà, il reste plus que la partie centrale de l'évaporateur. Et voilà, le dégivrage est terminé.